Yo bande de Roger, ici le Matt. Aujourd'hui, en ce jour un peu spécial qu'est l'anniversaire de la chaîne pour sa première vidéo, qui plus est musique à l'époque, je vous présente et je vous offre la possibilité de revoir des séquences passées de la chaîne qui commencent dans l'ordre chronologique, donc pour cette première vidéo, avec mes débuts et un peu les compagnons que j'avais, quoi. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe, les défauts des vidéos, les défauts de mon commentary, et toutes les autres choses qui sont vraiment apparentes que je vais essayer de reprendre. Ce sera pas un best-of très poussé, parce que j'ai pas vraiment le temps de regarder toutes les vidéos pour en tirer le meilleur, surtout qu'il n'y a pas grand-chose de meilleur. mais j'espère qu'au moins avec ça, vous pourrez rigoler un moment et vous rendre compte qu'on a fait du chemin quand même sur ces 4 ans maintenant. Bon bah voilà, je vous prie d'apprécier et de me dire ce que vous en avez pensé. Très bientôt, ou déjà elles sont sorties, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, vous aurez un peu chaque période de la chaîne avec ses best-of. Merci et à la prochaine. Salut à tous, c'est Anonymat74 et on se retrouve sur Tribes Ascend. Un jeu FPS où je lag beaucoup normalement, alors on va voir. D'accord. Oui, ben j'arrive, ça se finit comme d'habitude. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, bon, bah au moins, ça peut gagner 10 XP. Je l'ai même pas fait exprès. Donc là, je vais essayer de prévoir. Vous voyez, je l'ai presque eu. Pourtant, avec les miens, c'est dur. Là aussi. Prendre l'arme secondaire, c'est un fusil à pompe, donc là je suis bien trop loin. Hein. Mais quand vous êtes prêt et que vous traquez les gens, surtout avec ce bonhomme là, c'est assez utile. Le lance-disque, tout bizarre. Alors lui par contre, question vie, c'est un bourrin. Je vous montre juste d'extérieur à quoi il ressemble. Hop, voilà. Là les qualités sont pas bonnes, mais normalement ils ont un super style. Je vais essayer de toucher lui au moins. Normalement, s'il était mort, pour une fois que j'étais dans la bonne action. Nous avons volé les alors, je sais plus où il faut le ramener, par contre. Non, pas Battle Mets. Intelligence. Oh, sa mère. Voilà, je suis complètement... Voilà, j'avais compris. Après, je prends le Longiner. Pas très compliqué. Vous construisez les monstres. Hop. Putain, je vais mourir avant d'avoir commencé. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais mettre à l'appli pour construire la machine parce que je sens que je vais me faire détruire et ça va m'énerver. Bah il y a un stripper à mon avis. Il m'a eu. Eh mais je l'ai eu aussi. Regardez, il a été accroché au mur. Ça c'est. Oh, oulala. Eh ben, eh les amis, c'est génial. Je cherche le combat. Vous avez échoué, l'ennemi a mis la main sur le Ah oh, purée! Saloperie. Je savais bien qu'il y avait un spike. Salut à tous, c'est Anonymat74 et on se retrouve sur une petite vidéo sur Brickforce. Un jeu, je crois, développé par X-Game ou. Oups! Tiens, bizarre. Donc, X-Game et Infernum, je crois, je suis pas sûr. Bon, ça va, là ça lag pas trop, mais je vous préviens, si ça lag un peu trop, j'arrêterai la vidéo. Attention, oups. Bien sûr, je suis tué, parce que c'est plus drôle. Bon, vous avez pu voir que c'était pas très terrible entre les FPS, les trucs qui passent au milieu, la qualité du son, la qualité d'image, genre, bref. Bon, je faisais avec les moyens du bord, hein, il n'y avait pas vraiment de... Ah oui, au fait, c'est vraiment moi hein, qui parlais. Oui, ça a changé, c'est normal, vous inquiétez pas. Bon, bref, maintenant, vous allez voir les premières vidéos multi avec des gens qui sont maintenant illustres, certains qui sont restés, d'autres non. Et donc les premières vidéos multi et aussi la série Mage et Free to Play qui étaient les premières séries que j'ai commencées, qui sont plus ou moins encore vivantes. Enfin bref, à vous les studios. Thank you.
amis, c'est Animat 74 et on va se retrouver dans Spiral Knight, un jeu free-to-play, comme l'émission que je suis en train de tourner maintenant. Donc, un jeu disponible sur PC et Mac, je joue sur Mac. Donc, je vais pouvoir clore cette vidéo, je vous montre quand même la fin. Si ça ne bug pas. J'ai dit, si ça ne bug pas. La corruption, ça marche pas avec toi? Ah si, c'est bon. Donc dans ce monde de robots, il y a quand même, comme vous le voyez ici, des soissons, qui vivent avec les étrangers. Donc les étrangers s'appellent comme ça sur la ville que vous êtes au début. Allez. Salut à tous, c'est Animat74, on se retrouve sur Minecraft, donc un jeu assez connu en ce moment. Enfin, surtout que j'adore. Donc on va tester la mage ici, donc 12W22A, tout simplement. Donc on va faire une petite partie solo pour vous montrer les derniers trucs. Donc j'ai fait plein de trucs. Donc on va l'appeler mage. Je vais dire en même temps, donc il y aura un nouveau minerai, les émeraudes, assez rare parce que l'autre fois j'ai fait 3 failles et je n'ai quand même trouvé que. Tiens, on va commencer à jouer. Oula! Ah non, hein. J'ai pas d'épée, hein. Tu me laisses tranquille, toi. Tu me laisses tranquille. Non, tu me tues pas, tu me tues pas. Tu me tues pas. Oh, putain, mais c'était serré là. Donc s'il y a des gens qui me regardent, parce que pour l'instant vous savez, je n'ai pas produit. Ceux qui me regardent vont rigoler en disant ça. Ce serait cool que dans les commentaires ils marquent pour donner des objectifs. Il y a autant de boost. Allez. Ah mais mince, si j'ai pas de. Enfin, une vieille technique. Qui est connue par pas mal de gens. Voilà. Donc aussi, il faudra me donner des objectifs, parce que c'est pas drôle comme ça. Mais c'est juste passager, hein, c'est en attendant de faire des trucs plus tard avec Dark Moon et Nobby. Parce que l'un s'est fait punir et l'autre a pété sa clé wifi. Et oui, je sais, faut être fort. Hey, c'est bon, je filme. On commence quand? On commence quand? Bon, allez, on commence. Non? 3, 2, 1, partez. Ok. Attends, non, on va dire quoi au début? Salut à tous! C'est nous. Voilà, c'est nous, c'est juste nous. Donc, on va commencer sur la map Necrophiland. Il y a des barreaux. Donc là, on tourne. Hein. Ouais, ouais. C'est parce que c'est sadique. On s'en fiche, hein, c'est du délire. On va bientôt entrer dans la map. Attends, c'est de la. Je me suicide. Non, non, c'est de la survie. Vas-y, saute. Attendez, je me suis suicidé. C'est quoi ce truc? Ouh putain, regarde Thibaut, c'est un ascenseur. Eh, c'est trop bien fait. On arrive dans le cimetière, là c'est ça va être la folie, on est armé d'un bloc de bois. Il y a de l'eau partout. Oh, il y a un coffre là-bas, moi je vois le coffre, je saute dessus. Oh, il y a un arc et des flèches, et il y a une épée. Prenez chacun un truc. Oh, j'en ai 3, putain. Bon bah, je suis passé à travers toi et je suis passé... Attention, feuille d'or derrière toi. Moi j'ai pas d'arme, donnez-moi une arme. Mais il en reste qu'une. Eh, hey, y a un. J'ai trouvé mon pack. Eh, hey, mais en fait, y a des items qui tombent. Oui, je l'ai. Putain, vite. Je suis en train de laguer à mort. Ah bon? Ah, c'est la folie, tout le monde se tape. J'aurais pas dû activer le PVP, on va s'en foutre sur la gueule. Déclenché. J'ai appuyé sur le bouton, je sais pas ce que. Oui, c'est normal. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton.
Moi je lag pas, ça va nickel. Merde! Oh putain! Ah, excuse-moi Thibaut. Thibaut, j'ai une potion de soin si vous voulez. Oh, aïe 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 aïe. Attention, feuille d'or à côté. Je sais pas où je suis, Mathieu. Mais dépêche-toi, ça doit être un bug de Chung. J'avais mon casque en plus. J'arrive. Et j'ai trouvé un glitch, je crois. Et je suis sur le toit. Comment t'as fait? Bah en fait, en sautant depuis là-haut, bah... Julien. Yes. Est-ce que tu te vois? Julien. Oui. Est-ce que tu te vois? Non, mon stuff est là. Ça, c'est mon stuff. Je suis en train de me noyer là. Aïe. Oh là là. Oh, ce massacre. Et pour le coup, c'est un massacre. Non, mais toi, tu triches. Je veux le stuff. Non, mais ça a bugué. Comme Noobie l'a appuyé plein de fois, il y a un stuff de malade au milieu de la map. Bon, allez, je crois que je vais couper. Salut à tous, c'était Dark Pachyderm, enfin Dark Moon, Feuille d'Or, Noobie du 7-4 et Anonymous 74. Donc on se dit à la prochaine. Hein? Bon, moi je coupe. Salut à tous, c'est Anonymous 74 et on se retrouve dans Minecraft pour Mage. Donc encore une petite mise à jour 12W27. Ah. Donc juste des corrections de bugs de performance, je crois, pour ça y aller. Donc j'ai fait un mini pack de textures juste pour... comme vous le voyez ici, les barres de vie. Et aussi j'ai fait un texte, j'ai remplacé la police, mais en fait, pour ça... Mais j'ai fait des tests, mais ça veut rien dire ce qu'ils ont écrit. Enfin, je me comprends. Je vais essayer de modifier ici sur le pack de textures... pas bien ça avec de texture, mais sur la modif de texture que j'ai fait, les vitres, parce que je les trouve relativement moches, voire très très moches, qui est assez agréable. Je sais pas si ça filme, mais un grand écran, je préfère. On est plus dans le jeu, on est immersé. Je sais pas si c'est dit, dans l'immersion, moi. Ouais. C'est un détail au pire. Je devrais faire peut-être des lives aussi sur Twitch TV, mais bon, ça ce sera quand beaucoup plus tard. Hein, quand j'aurai le. Et oui, bien sûr. Bah oui, c'est. Oui, forcément. C'est plus drôle comme ça. Oui. Complètement même. Animate 74, Noobie 7-4, Dark Moon et Feuille d'Or. Donc on va faire encore une map aventure. Ça a commencé. Ah ta. Ouais, y a le PVP. C'est le bordel, je vais crever en fait. Je suis en train de me taper un sac à. Fais gaffe, Noobie. Attention, tu vas me tuer là. Bon. On va se la jouer sniper. Oh, c'est cool. J'ai failli te tuer, Noobie, tu m'en voudras pas. Non, c'est bon. Tu verras sur la vidéo. J'ai géré la fougère. Mais non. Oh non, mais vous êtes déboulés. Oh, il y a plein de sable. Mais non, mais je peux. J'ai pas récupéré ton stuff, Thibaut, mais je vais mourir à cause de vous. Ah, y a plein de sable. Non. Je vais crever. Non, putain, Thibaut, t'es nul. Envoie mon stuff. M'en fous, j'ai le sharpness. Oh non, mais là, il y en a trop. Non, je suis en train de crever. Hey, les squelettes, ils sont avec moi, ils ont craqué. Oh là là, vous verrez. Il y en a trop. Oh putain. Cette vidéo va être épique. Derrière toi. T'es où? Recule, va dans la porte vite. Non, c'est bon, je vais tous les avoir. Oh, ce massacre à la tronçonneuse. Oh, non, ils ont des arcs. Putain, non. Non. Belle.
sert à rien. Mais si, ça fait mal les pelles. Oui, bah vas-y, donne-le à Anonymat, lui il aime bien se battre avec des pelles. Mais non, mais je me fais tuer. J'ai une pelle. Ouais, je vais l'enchanter niveau 4. Bon, vous avez vu que c'était un peu le bordel. On entendait un peu près les voix, mais pas grand chose. On n'avait pas vraiment beaucoup de talent, voire pas du tout. Bon, c'est pas dit qu'on en est encore aujourd'hui, mais c'était déjà terrible, je trouve. Et vous voyez qu'il y a quelques légendes comme l'appel qui sont nées il y a très longtemps. Donc ça, c'est vraiment les premiers niveaux. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, il va y avoir plusieurs best-of, comme j'ai dit. On aura déjà une évolution, les premiers let's play, un peu notre complicité avec Darkmoon, Thibaut, de chez Derm, comme vous voulez, vous l'avez vu sous tous les noms, qui commence, et donc un peu l'avancement des choses pour cette chaîne qui s'appelait à l'époque Polygaming, hein, je rappelle, c'est toujours intéressant de le savoir. Mais donc, bien, dans la lignée de cette vidéo, à la fin des best-of, je vous ferai une vidéo qui retrace l'histoire de la chaîne, de la même façon que j'ai fait la philosophie des Rogers et Qui sommes-nous, que je vous invite à aller regarder, c'est assez compréhensible, enfin vous pourrez tout comprendre du coup. Donc voilà, je ferai une vidéo qui retrace l'histoire de la chaîne et du coup vous pourrez encore une fois regarder celle-ci. C'est un peu putaclic, mais au moins tout le monde aura bien compris si tout le monde prend la curiosité de regarder cette merde. Bon allez, à plus. Je dois y aller. Au revoir.